tous. Pour ceux qui n'y auraient pas joué, cette intro c'était une référence au jeu vidéo Layers of Fear, ou en français, les couches de la peur. Les épaisseurs de la peur? Bref, la traduction est bancale, mais en gros, il s'agit d'un jeu d'horreur dans lequel l'art tient un rôle primordial. Du coup, j'ai beau être une énorme trouillarde pour qui jouer à ce genre de jeu est une épreuve, et je pèse mes mots. Ça, c'est un Van Eyck, j'adore Van Eyck. Ok, alors Van Eyck me suit. Ah mon dieu, Van Eyck est vénère. Et ben j'ai quand même décidé de me lancer dans l'aventure. Pour l'amour de l'art. Le jeu nous plonge dans une maison étrange peuplée de tableaux pour le moins inquiétants. Goya, Rembrandt, Gentileschi, Velázquez et bien sûr Van Eyck. Ah, je pourrais passer des heures à les énumérer. Sauf que moi, ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est leurs histoires. Donc je me suis beaucoup concentrée sur la narration de Layers of Fear, qui se fait à travers des instants de mémoire audio, des lettres retrouvées, et puis des souvenirs de nature... diverses. Le tout n'est pas toujours très clair, parce qu'on n'est pas ici dans ce genre d'histoire qui nous explicite tout dans les moindres détails. Cependant, il semblerait bien que l'artiste présenté ici... soit pas super bien dans sa tête. Du coup, ça m'a fait penser à un truc. C'est quand même sacrément cliché, non, cette histoire d'artiste fou? Est-ce qu'on n'a pas un peu trop tendance à représenter l'artiste comme un illuminé de première? Ou au minimum comme un grand névrosé qui a besoin de l'art pour laisser s'exprimer son âme torturée? Du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur ce lieu commun, sur cette image archi-répandue, à tort ou à raison, qu'est la folie de l'artiste. Une fois n'est pas coutume, la vidéo sera découpée en 3 parties, parce que j'ai fait trop de dissertes dans ma vie. Je ne sais plus faire des plans en autre chose que 3 parties. Dans un premier temps, on va voir à travers des exemples célèbres que l'art, c'est bel et bien parfois un exutoire, un moyen de s'exprimer pour des artistes pas toujours très bien dans leur peau. Ensuite, on va s'attarder sur 2 cas célèbres de basculement brutal de la création dans la folie. Et pour finir sur une note plus positive, on verra que l'art peut aussi avoir des vertus thérapeutiques pour les individus atteints de troubles neuropsychiques. Et ça a beau être un épisode spécial Halloween, sachez qu'il n'y aura rien de terrifiant dans la vidéo. L'intro, c'était vraiment juste un clin d'œil au jeu Layers of Fear, parce que bah, j'ai pas envie de sous-entendre qu'il faut avoir peur de la maladie mentale. Ah, je dis pas, hein, c'est très pratique pour les jeux et les films d'horreur, mais dans la vraie vie de la réalité véritable, tolérance et ouverture d'esprit restent les maîtres mots. Allez, on commence tout de suite avec la première partie, avec certains de ces artistes pour qui créer, c'est un besoin, c'est en quelque sorte ce qui les empêcherait de devenir fous. Francis Bacon. Bien sûr que j'allais commencer avec Francis Bacon, ça fait super longtemps que je vous en ai pas parlé en plus. C'est quand même dingue, hein, comment un type à la peinture aussi éprouvante, aussi torturé, et voire même par certains aspects répulsive, soit unanimement considéré comme un artiste majeur du XXe siècle. Quand on regarde une interview de Francis Bacon, on peut être étonné de découvrir un mec affable, posé, patient. Il y a une grande différence entre le réalisme et l'illustration. Et du coup, on en vient à se demander comment ça et ça peuvent avoir la même origine. Il faut dire que la vie du petit Francis, ça a très tôt été une épreuve quand même. Atmosphère familiale pesante, où régnait un père militaire qui a complètement rejeté son fils lorsqu'il a découvert son homosexualité, plongé précoce dans l'alcool et le jeu, comme pour oublier, éternel sentiment de culpabilité et de solitude, bref, que des choses avec lesquelles il est si simple de vivre. Après qu'on soit bien clair, ce serait absurde de vouloir résumer l'œuvre de Francis Bacon à des explications psychologisantes, ce serait idiot de vouloir le faire pour n'importe quel artiste à vrai dire. Si Bacon insiste tant à peindre la chair par exemple, à la tordre de souffrance, à la faire saigner, c'est avant tout une question de peinture, hein. Il veut rendre la réalité du monde sensible. Et en attendant, voilà un exemple typique d'un artiste qui a vécu de telles angoisses, de tels déchirements et de telles pertes, qui n'a pas eu d'autre choix que de les jeter à la face du monde pour réussir à vivre avec. D'une manière un petit peu différente, c'est aussi ce qu'a fait Dali. Alors Dali n'a pas été rejeté par sa famille, hein. Au contraire, il a été vénéré par elle. Parce que Salvador, c'est le prénom de son frère qui est décédé 3 ans avant la naissance du petit Dali, qui est donc perçu par ses parents comme un sauveur, comme la réincarnation incarnée de son frère décédé. Oui, c'était encore une ambiance familiale très très saine. Et encore, c'est pas la pire, attendez la suite. La mort est juste omniprésente dès la plus tendre enfance de Dali, qui doit en plus de ça relever l'impossible défi de se trouver une identité alors qu'il porte quand même le prénom d'un frère glorifié. Du coup, Dali se met en scène dans sa vie publique, mais aussi dans son art, où il aime jouer avec l'illusion de la puissance absolue.
C'est sans doute essentiel pour lui, en fait, de chercher à combler cette faille identitaire en s'explorant, en explorant même un avatar de lui-même à travers son art. A l'inverse, Alberto Giacometti, c'était plutôt un artiste discret, qui se mettait assez peu en scène. Très tôt, il commence à sculpter et à dessiner, se satisfaisant parfaitement de représenter d'après nature. Et puis soudain, à ses 20 ans, tout bascule. Il se rend compte soudain qu'il ne peut pas représenter la réalité parce que le réel, c'est quelque chose qui lui échappe complètement. En plein questionnement existentiel et philosophique, Giacometti n'a pas trop le choix. Pour combler cette perte immense de repères, puisqu'il a quand même la sensation que la réalité lui échappe, il plonge dans l'obsession créative. Pendant 5 ans, tous les jours et toute la journée, son frère Diego pose pour lui. Je vous laisse imaginer la patience du mec. En fait, l'insistance de Giacometti dépasse l'entendement. Il n'est jamais satisfait du résultat, il détruit des jours de travail d'un coup de pinceau ou de burin, il s'entête, il s'acharne, sans jamais sembler trouver ce qu'il voudrait donner à voir. Il expliquait sculpter pour se préparer à sa mort, pour chercher à la maîtriser en fixant dans ses œuvres un absolu, une forme d'éternité universelle qui lui survivrait. Cela dit, le cas de Giacometti est un petit peu borderline. On peut se demander si son art l'a effectivement empêché de plonger dans la folie, ou si au contraire il ne l'y aurait pas un petit peu précipité. J'en profite pour vous faire remarquer que je n'ai pas défini ce qu'était la folie, et que je ne le ferai pas. En fait, ici, j'emploie le terme générique, et certainement pas le terme médical, que je serais bien incapable de définir d'ailleurs. Cette parenthèse étant refermée, intéressons-nous maintenant à ces cas d'artistes qui ont explosé en plein vol, et dont la création semble inévitablement les mener à la folie, voire à la mort, les suicides d'artistes étant quand même 2,6 fois plus nombreux que dans le reste de la population. Sans surprise, dans cette partie, j'ai choisi de parler du plus iconique des artistes fous, Vincent Van Gogh. En 1890, ce dernier vit 70 jours de création intense à Auvers-sur-Oise avant de disparaître dans des conditions mystérieuses qui évoquent un très très probable suicide. Sa disparition est d'autant plus incompréhensible que pour certains, Van Gogh était alors au sommet de son art. Il peignait plus d'une toile par jour, d'une puissance jusque-là inégalée. Quelques-uns ont même voulu voir dans son tableau Champ de blé au corbeau comme un testament à l'acmé de son art. C'est parfaitement naturel que face à l'incompréhensible, on cherche à trouver des raisons et des justifications. La vérité, c'est que toute sa vie durant, Van Gogh, il a dû, avec effort, avec exigence, tracer sa voie à travers la jungle obscure d'un psychisme troublé. Contrairement à un Dali, un Bacon ou un Giacometti, son art n'a pas suffi à lui apporter le cadre et la structure rassurante dont il avait besoin. Ainsi, lorsqu'il quitte l'asile de Saint-Pierre-le-Mausole, il est content de pouvoir retourner peindre, mais il exprime aussi son inquiétude à l'idée de quitter ce milieu protégé. Lorsqu'il crée, au contraire, il est entièrement ouvert et entièrement exposé à ses perceptions intérieures et à ses angoisses. Peindre pour Van Gogh, c'était en quelque sorte une mise en danger permanente, qui finira malheureusement par avoir raison de lui. Une autre artiste qui est entourée d'un mythe sacrément tenace, c'est Camille Claudel. Certains l'ont même qualifiée de suicidée de la société, tant son acharnement à vouloir connaître la gloire en empruntant des chemins traditionnellement réservés aux hommes semble juste suicidaire pour l'époque. Ça lui a valu, sur ordre de sa mère et des aliénistes, les ancêtres des psychiatres, d'être totalement coupée du monde extérieur. Elle fut internée pendant 30 ans dans une solitude douloureuse. Alors oui, on pourrait faire comme presque tous les films et résumer la folie de Camille Claudel à Auguste Rodin. Mais il y aurait tellement d'éléments qu'on passerait sous silence en faisant ça. La société corsetée du 19e siècle, son histoire familiale, sa forte personnalité, l'épreuve épuisante de la sculpture, le traumatisme de l'avortement, la maltraitance du marché de l'art et surtout l'acharnement et le rejet maternel. À 40 ans, alors qu'elle est visible et exposée, Camille Claudel porte déjà les stigmates de l'artiste maudite. Elle se dit à bout de force. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi épuisée? Eh bien c'est parce qu'en fait, elle est en constante lutte contre un ennemi qui a laissé à l'intérieur d'elle une plaie béante. Les signes d'un probable délire de persécution à l'encontre de Rodin sont présents. Elle le perçoit comme responsable de ses maux physiques, sociaux et financiers. Sauf que, à bien y regarder, la blessure elle semble plus ancienne que Rodin. Elle remonterait en fait à l'enfance et à la relation très complexe qu'elle entretenait alors avec sa mère. Le manque d'affection maternelle, elle tenta de le combler avec son art, sauf que son art la mena à Auguste Rodin et à un nouvel abandon. Elle a été abandonnée par ceux dont l'affection lui était nécessaire, et Camille Claudel, elle décède seule, coupée du monde. Son frère Paul Claudel, dont elle était pourtant super proche, il ne va rien faire pour l'aider, il va même participer à son internement forcé, et il va s'éloigner d'elle au point qu'il ne fera rien pour lui éviter la fosse commune à son décès. Ah,
en voilà des histoires joyeuses! 5 portraits d'artistes bien torturés pour qui on peut se demander si leur art n'est pas qu'une simple expression de leur mal-être, voire s'il n'y a pas contribué. Mais alors, pourquoi ces gens qui souffrent mentalement se tournent vers l'art? Je veux dire, si ça les enfonce dans leur angoisse, est-ce que c'est pas limite maso comme démarche? Eh ben c'est parce que la création artistique, ça peut aussi faire vachement de bien, comme on va le voir avec ce dernier cas. Comme Francis Bacon, Niki de Saint-Phalle, elle avait la rage de s'exprimer. S'il fallait la définir à travers son œuvre, les mots audace et provocation viendraient immédiatement à l'esprit. Elle a toujours refusé de se qualifier de féministe. Pourtant, Niki de Saint-Phalle, c'est bien un phare dans la révolution que les femmes ont imposée à l'art actuel. Autodidacte complète, elle a imposé sa voix brute de décoffrage, vierge de tous les codes artistiques. C'est pour elle un besoin, une réponse à son histoire traumatique, face à laquelle la création artistique lui a permis de vivre malgré tout, comme une rescapée, selon son propre terme. À l'âge de 11 ans, elle est violée par son père. Afin de survivre à ce traumatisme, elle va l'enfouir dans son inconscient et se rebeller contre sa famille bien-pensante. Elle se marie très tôt et donne naissance à sa fille Laura, avant de brusquement sombrer dans une dépression sévère. Hospitalisée en milieu psychiatrique, elle subit des électrochocs, des chocs insuliniques et autres méthodes barbares employées à l'époque. Son père, il était sans doute conscient d'être à l'origine du traumatisme qu'il a causé. Du coup, il va lui écrire une lettre où il lui révèle le crime sexuel qu'il a commis. Le choc est brutal et les psychiatres se montrent malheureusement très incompétents. Du coup, c'est dans l'art que Niki de Saint-Phalle va trouver le soutien dont elle a besoin. Bien sûr, il serait absurde de résumer les tableaux-tirs de Niki de Saint-Phalle à de simples exutoires. Il faut aussi les pensées dans le contexte des années 60. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont elle a expurgé la violence destructrice qu'elle avait auparavant tournée contre elle-même. Elle l'a écrit, hein. L'art lui a permis d'exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire autrement. Ça lui a permis de rendre visible et de faire reconnaître, à travers justement cette création artistique, ce qu'elle contenait en elle de rage et de douleur. Car pendant longtemps, la création artistique, c'était vraiment l'un des seuls soulagements, l'un des seuls recours salvateurs quand un individu souffrait d'un psychisme dérangé. Puis en plus, c'était super pratique. Ça arrangeait tout le monde, on mettait les fous dans un coin avec leur gribouillage qu'on jetait par la suite. Ça intéressait personne, ça prenait juste de la place. Puis la situation a changé, la psychiatrie a évolué, s'ouvrant notamment aux pratiques centrées sur la créativité comme l'art-thérapie. Jean Dubuffet s'est intéressé aux productions des malades mentaux qu'il a qualifiées d'art brut et qui sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a sans doute effectivement un lien entre l'art et la folie. Personnellement, je crois que c'est parce que ces gens en état de souffrance mentale, ils ont un besoin plus grand que les autres de s'exprimer. Or l'art, c'est un mode d'expression qui repose sur autre chose que les mots, qui dans certains cas, sont juste insatisfaisants. Après, tout individu torturé ne va pas nécessairement chercher à s'exprimer à travers l'art, et tout artiste n'est pas nécessairement torturé. On peut aussi faire de l'art par plaisir, par loisir, ou même par amour de la technique. En gros, dans la vie, il n'y a pas que les Francis Bacon et les Vincent Van Gogh, il y a aussi... Britney. Et voilà qui conclut ce petit retour en exemple sur les liens entre art et folie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. Et pour me voir jouer en live à Layers of Fear et à d'autres jeux, eh ben, y a toujours le compte Twitch. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour encore plus d'art.